Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur WRC 10, The Official Game. Oh yeah! Pardon. Pardon, le mec il a craqué complètement. Donc le jeu WRC 10. Alors aujourd'hui, on va pas s'attaquer au mode carrière et compagnie. On va faire du gameplay le plus directement possible et le plus possible. On va pas perdre de temps. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, synchronisation des données. Mais j'ai rien sauvegardé pour l'instant, j'ai pas démarré le jeu. Donc, me casse pas les bonbons avec ça, s'il te plaît. Pour l'instant, j'ai jamais démarré le jeu. Du coup, on va se découvrir ça. Et on va faire du gameplay aujourd'hui. Et je ferai une deuxième vidéo aux alentours de la sortie, peut-être un petit peu après la sortie, pour vous parler du mode carrière, vous montrer un petit peu le mode carrière, à quoi ça ressemble. Pour l'instant, on va se découvrir ça. Oui, ok. Allez, ok. Non, on va mettre débutant. Non, on va pas faire les cons. Attendez, je vérifie quand même que la capture... ouais, c'est bon. Marche bien. Bon, le temps de chargement... Ok, bon. On va voir un tuto. Ok, comment on change la caméra, déjà? Là, on allume les phares, ok. Ouais, donc là, il va vraiment m'apprendre comment freiner et tout. Moi, je veux... Ouais, donc là, il est en train de m'apprendre comment tourner. Alors, je suis désolé, je me suis tapé le... Voilà, je voulais changer la caméra. Comme ça, on va regarder toutes les caméras. On va en profiter. Donc, hop, hop, hop. Ouais, WRC, il y a toujours une caméra, une vue intérieure. Ah bah, tiens, il nous le dit. Mais on voit jamais le volant entier, en fait. Elle est toujours un peu reculée. Ok. Bon, je suis concentré sur la caméra, là. C'est pour ça. Comme ça, ça, c'est pas mal. Comme ça, j'aime bien. Oh là, bah le frein à main, c'était pas une très bonne idée, là, pour le coup. Ah, moi, ma vue préférée, en général, c'est la vue capot. Je m'étais dit, tiens, le 9, il n'y avait pas de grosse différence sur les versions PS5, Series X, c'est normal, c'était un jeu PS4 One. Là, ils ont l'air d'avoir bossé un peu, du coup, de l'avoir vraiment un peu plus développé sur les versions Series X, PS5. Et finalement, j'ai pas vraiment l'impression. Ça a pas l'air très beau. Alors, ah oui, il y a le mode 50e anniversaire, puisqu'on fête donc le 50e anniversaire du championnat WRC. Ça doit être ça. Il y a un showroom. Ok, on peut faire des zooms avant, tout ça. Bon, les bagnoles sont bien modélisées. Il y a des détails. Il n'y a pas spécialement d'aliasing sur la voiture, tout ça. Il y a un mode photo, visiblement. Bon, ça, c'est pas mal. Mode 50e, machin, tout ça, je pense qu'on verra ça. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai pas appuyé dessus. On verra ça dans une autre vidéo. Ça aussi, on verra ça dans une autre. Il y a un éditeur de livret, il y a du multi, et en plus, il y a du multi en écran partagé, et ensuite, il y a des défis, tout ça. Par contre, ouais, ça, même le menu, je trouve qu'il rame un peu. Je suis désolé si vous entendez gratter, c'est un chat dans la litière. Faut toujours qu'il casse les bonbons. Et puis, il y en a une autre qui gratte à une fenêtre, mais de l'extérieur. Sauf que la fenêtre de l'autre côté de la maison est ouverte. Donc, alors, spécial 2021, anniversaire extra. On va aller dans extra, c'est quoi extra? Ça va être du... Ouais, d'accord. Tiens, bah, hé. Hey. On va faire les fous, on va tenter... Tempête WRC 2 Junior Légende. Oh là là, attendez. Je vais faire une coupure, parce que là, je me saoule. Ah là là, me revoilà. Je vous ai peut-être pété les oreilles. Oh, attendez. Alors, on va aller jusqu'au bout dans les bonus. Hein. Ah ouais, c'est l'édition, pas ultime, mais je sais plus comment ça s'appelle. On va prendre la Porsche, tiens. Allez, on s'en fout. Go, on y va.
édition de luxe là, donc il y a peut-être du contenu que j'ai là, que vous n'aurez peut-être pas dès le départ dans le jeu de base, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un abonnement de 3 mois à la chaîne WRC, là, vous savez, ils ont un peu comme le network de la WWE ou de l'UFC, ils ont une espèce de truc comme ça, de plateforme. Il y a des membres. Des membres pour votre équipe dans le mode carrière, il y a des choses comme ça. Paramètres de jeu. Ouais, on va laisser. Ah là, le frein à main, ça aurait été pas mal. Ouais, ok. Bon, c'est un truc qu'il faut prendre un petit peu en main. Moi, je vous fais ça comme ça, en freestyle. Ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire que de faire ce genre de vidéo en freestyle comme ça. Et là, c'est vachement serré et tout comme circuit. Je m'attendais à un truc de. Comment ça s'appelle? De rallycross là. La vache. Et la bagnole, j'arrive pas à la faire rouler. Rouler droite. Je pense que j'aurais pas dû prendre ça avec la pluie. Qu'il faut s'entraîner un petit peu. Voilà, pour maîtriser un peu plus le frein à main, parce que là. Et gauche 5, court au croisement, 500 mètres. C'est pas terrible, hein. Attention, gros frein pour équerre gauche, petite corde au croisement, 100 mètres. Oh là là, vous voyez là, juste le freinage. Je suis parti en couille. Mon Dieu. C'est pas la bonne voiture, hein. J'aurais dû prendre une junior pour commencer. Je pense que ça aurait été plus facile. En tout cas, je pense que quand vous commencez à jouer avec les aides au pilotage, à les désactiver tout ça, ça peut commencer à être un petit peu exigeant. Et là, mais là, j'arrive même pas à rouler droit avec cette voiture. C'est ouf. Je regarde s'il y a des réglages de sensibilité ou aussi avec le stick et tout parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être obligé de devoir toujours mettre un coup de stick. Oh là là. On va arrêter le massacre, hein. Droite 4, court, corde croisement 30 mètres. Gauche 3, petite corde croisement 60 mètres. Je sais pas si j'aurais dû vous faire une vidéo en freestyle en fait. Bon après c'est une vidéo vite fait hein, avant la sortie du jeu. On va pas regarder en détail aujourd'hui. C'est pas avec la vidéo d'aujourd'hui que vous allez vous rendre compte. Des qualités du jeu, hein. Après, c'est pas le but non plus. Bon, je suis désolé, il y a un avion qui passe, j'ai une fenêtre ouverte. Il me casse les bonbons en ce moment. Alors, on va pas aller sur de la neige, hein. Vu comment j'étais nul déjà là. Non, cette fois, on va pas remettre tempête. On va mettre ciel dégagé. Et on va prendre une voiture de bébé. De toute façon, après, on retrouve les équipes et tout. Faut savoir que WRC va y avoir un 11 encore l'année prochaine. Et ensuite, c'est terminé, hein. La licence revient à Codemaster, donc à EA, hein. Et on pourra peut-être, je pense, à ce moment-là, voir un Dirt Rally 3.0, peut-être. Avec les licences officielles, avec EA derrière. Choix des pneus, paramètres de la voiture, on va regarder, attendez.
terre, avancer, machin. Ouais, on peut faire tous les réglages qui vont bien. On va pas y toucher là. On peut changer les pneus. On va pas mettre une caméra extérieure, on va se mettre cette caméra là. Ouais, je trouve qu'au niveau technique, c'est pas génial parce que là, je l'ai mis du coup en qualité maximum. Je suis pas du tout concentré en plus. Oh, la catastrophe. Et ça scintille de partout, je trouve. Et ouais, ça scintille. J'espère qu'ils vont faire un patch là parce que ça pique les yeux. Et comment dire, ça tourne même pas. J'ai l'impression que ça tourne même pas forcément à 60 images secondes. Et je voulais bien accepter ça sur PS4 Pro ou avant, voilà, quand on disait bon bah le jeu. La PS4 Pro t'offre la possibilité ou la One X d'avoir un mode genre en 4K ou un peu plus beau et tout, bon un petit peu moins fluide. Un jeu comme celui-là qui est à moitié développé encore sur PS4 et One, que sur Series X et PS5, tu puisses pas avoir le mode le plus entre guillemets le plus beau avec du 60 images secondes, c'est pas normal. Et là, ça scintille. J'ai l'impression d'avoir des trucs qui... Vous savez, comme quand on filme des néons avec une caméra ou les télés cathodiques un peu, avec une caméra à l'ancienne. Ça me fait cet effet-là sur les herbes et tout. Je sais pas si ça va se voir sur la capture. Mais c'est pas terrible. Bon, je suis désolé pour mon pilotage parce qu'en plus, déjà, je suis nul... en général dans les jeux de rallye. Là je me suis pas du tout entraîné avant et comme je discute en même temps bah, je suis moins concentré et en plus j'écoute pas les indications forcément. Donc du coup c'est pas terrible en termes de pilotage. Bosselet, ouais, bah bosselet. Bon, on est censé arriver beaucoup plus vite que ça, je pense. Hein. Et hop là, attention. Oh putain. Je suis parti. En fait, en plus, ouais, dès que vous touchez un petit peu les bords, forcément, il y a des cailloux, des choses comme ça. Donc, par contre, ça se ressent tout de suite. Vous prenez un bord, bah, vous prenez un caillou. Il y a un mode photo, là. Ah oui. On va pouvoir regarder un peu. Oh là, regardez. Boum. Vous avez vu, par terre. Allez, c'est pas terrible, hein. On peut... Ok, bon. Oui. Oh là là, à travers le portail, là, ouais, on va ralentir un peu. Ouais, on sent... on sent bien quand même les différences sur les... chicane droite. J'ai pas écouté. C'est de ma faute. On sent bien les différences quand même là. Sur le sol. Je trouvais plus le mot. Sur les types de routes. Entre les deux là, j'ai bien senti la différence. Bon, va falloir que je m'entraîne un petit peu. Après, je suis... un petit peu déçu de la technique quand même. Après j'ai toujours pensé que Kiloton faisait du bon boulot parce que à l'époque ça avait critiqué WRC 5. Moi j'avais défendu ce jeu parce que faut savoir que les mecs on leur a filé ça avec rien parce que les autres, la Milestone, quand ils ont arrêté WRC, ils ont rien laissé, pas de moteur graphique, rien.
Donc on a donné au mec 2 kilotonnes, on leur a dit vous avez pas de, en gros vous avez pas de budget, il faut tout refaire à zéro. Et WRC5, sans être fou, n'était pas horrible non plus. Après forcément, à côté il y avait Dirt Rally qui était sorti à ce moment-là, forcément. Attention, serre à gauche pour ciel sur gravier dans gauche 6, 150 mètres. Attention, gros frein bosselé. C'était pas pareil, mais d'accord. Surtout visuellement. Dans droite 5, tenir dans un filet. Mais ça montrait quand même qu'il y avait du travail. Et ensuite, le 6, ils ont bossé avec un pilote, j'en avais parlé aussi. Et là aussi, j'avais trouvé les tests un peu injustes. Et puis après, bon, bah, petit à petit, ils ont amélioré le jeu. Là, je suis un petit peu déçu de la technique parce qu'on est sur Xbox Series X et PS5 maintenant aussi, que le jeu est disponible sur ces consoles. Bordel, j'ai fait 4,59 quand les mecs ils font 4,18. Et donc, oui, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là, mais il n'empêche que le jeu est disponible. Hop, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Et on refera une vidéo où on regardera le mode carrière, tout ça. Et puis on fera peut-être quelques courses aussi. Hein. On fera pas que des menus dans la deuxième vidéo. Oh là là là, ce départ catastrophique. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, en termes de gameplay, ça a l'air assez sympa. Je pense que ça se prend pas en main... du premier coup comme ça, faut s'entraîner un peu, faut se concentrer un peu, mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Après voilà, faut vraiment passer au-delà de la technique qui est pas géniale. C'est pas horrible, mais bon, on est sur nouvelle génération et même sur PC, voilà, c'est pas GG, un jeu comme ça c'est pas GG aujourd'hui sur PC. Donc, là, j'avais eu chaud, là. Donc, voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.